Non, on arrive pile à temps. Ok, game one. Ouais, quoi. Mais pas leur, on leur demandera après. C'est final là, non? La finale. Non, oui, le demi. Attends, le gars est fini. On n'a pas trouvé de ce qui fait plutôt. Alors, Wilder se met. Comme ça, on t'a devant moi. Ici, c'est qui? X-Space. Moi, je cherche comment tu dérives parce que je ne t'en ai pas. Ah, je veux dire mon type. Et pour les mains. C'est le seul pète, il y a même une Oui, oui, oui. On va tout péter, on va très bien, ce mon type paye la touchée. La trilienne. C'est petit. Il peut leur manquer, c'est 10. On va vérifier. Et sinon, tu vas réussir. Et il te dit qu'il a un. Oui, début. Ramène des bières. Hein. Il met une majuscule. Ah, avec ça veut pas mettre un ou plus. Voilà, ça on peut garder de masse. Peut-être que c'est un peu trop longtemps cette affaire, c'est ça le problème. Pendant qu'on parlait, il y en a autre chose qui prend totalement de nuit dans le gestion d'avance sur notre table. Ouais. Il est bien parti pour win, mais... Ah bah voilà. Ah bah non. Bien, il part de. Pardon, de l'écrit. Le downer qui va venir porter. C'est. Tu peux aller leur demander si tu veux. Je crois que c'est vraiment. Alors, c'était là. Okay, très bien. Alors, Nico, on pense cette première game sur ce Taouan. Très bien, je ne sais pas. Je crois qu'il a gagné avec 3 stocks d'avant. Il a 3 stocks, mais c'est pas trop expédique. Pas trop bien. Un match pour ta montre. Je pense qu'il a pas la réfirométrie, le 4, et voilà, bien sûr, public, oui, il voulait pas prendre cette balle. Peut-être qu'il s'est trompé de perte. Ah ouais, il y a tout le monde. Ah ouais? Non, il y avait une Marie, tu peux prendre le. Ah, ok. Ah oui, la chute de zone. Et c'est parti, c'est un game de. Ah, pour l'instant, Nico. Ah, ouais. On quitte de grenade. Les deux joueurs ont vraiment une bonne députée pour s'en aller. Tu vas trouver une aventure avec son frère. Il va permettre d'envoyer au CD, mais il ne capitalisera pas plus que ça.
Voilà. Dès qu'il y a vu que c'est grenade, hein, bien sûr. Un petit dernier. Et un petit qui va emmener les deux joueurs en même temps. Voilà. Bien, je ne sais pas si c'est le père qui va être et 7 de père. Le père. Le père qui va. J'ai un deal de joueurs, les deux à deux top, 0%. Déco qui a réussi à récupérer un stock de perdu dans son invincibilité, il a réussi à aplatir un down du match, peut-être pas. La Neko qui va réussir à mettre des avantages à son adversaire. Match résidu, maintenant le match est sorti, mais malheureusement, Xpix n'était pas dessus. Voilà les pertes qui ont dû être très utiles dans cette phase mentale. Ah ouais, on le rappelle. À moins qu'il repasse en taille B, avant, il ne pourra pas en neuf. Et voilà, Neko, bien sûr, qui a besoin de se faire pour garder tout l'espace entre lui et XPX. Et les avantages, voilà, qui va permettre à Neko, pareil, de reprendre de prendre des produits de Neko en ayant emmagasiné quasiment tout. Que très peu de points. Voilà, voilà, exactement, il veut tuer le pourcentage quasiment, mais il est quoi avec la personne d'avance. Il est bien parti pour. Et le père qui emmène très haut, il est bien parti pour prendre ses deux également, mais rien de ce qui va faire. Ouais, c'est ça, Game Watch, je pense qu'on peut clairement dire que Game Watch a le MMA, il met beaucoup de ses grenades, par exemple, tu vois qu'il peut faire péter ses grenades avec ses pertes. C'est le contrôle de. Ouais, pareil. Je sais pas ce que c'était. Ouais, non, je crois qu'il y avait une grenade dans la. Très très bien vu cette deuxième. Avec le FMAS, pardon. Neko qui va remporter cette deuxième game. Et pour l'instant, il est bien parti pour aller en loser. Rien n'est fini, hein, bien sûr. Je pense que c'était une map qui était plutôt à l'avantage de Game & Watch. Ouais, mais Game & Watch en particulier, je pense que ça faudrait une map plus grande pour l'empêcher de le donner avec ses pairs. C'est un avantage pour les deux, mais ça va être. Ouais, ouais. Et dans tous les cas, c'est un début très compliqué pour les. Voilà, il a joué la grenade sur le shield de Game & Watch. Xpix qui va graver quelques points. Il a essayé de. On rappelle très très bien le jeu. Le back-end est déjà 85%, 87% de chez Neko. Il est très mal. Il est très bien sur ses 4 dans cette grenade. Je n'ai pas eu le temps de voir. Attends, de quoi okay. C'est très bien que Xpix se rattrape dès le début de cette game et qui va sortir. Neko de sa première score, très rapidement. Un autre double perte de la première. Bon, très gaffe à cette perte de Game & Watch. Ça peut tuer très très tôt en deux heures. Surtout sur des maps classiques comme Planet Magic. Et voilà, avec une grenade par exemple. Là, il est en lettre frappante. Et voilà, Yvonne. Et ce qui va tout faire. Ah, il est dommage. Ouais. Le F qui va permettre à Neko de revenir à 9 dégâts. Et il est envoyé par une autre grenade. Très bien, le sniper. Qui va venir. Les deux, c'est surtout la dame, le dame qui entend beaucoup une attaque, mais qui est très très bien vu. Xpix qui va devoir essayer de gratter le plus de pourcent avant de perdre cette stock, hein, parce que je pense que ça va être sûr de gagner la game de cette deuxième stock. Il est déjà 127% et voilà, un autre dans le Google. Dommage, mais c'est grave, c'est de la part de Neko, il aurait pu faire la stock. Là, ça pète de partout. Pète de partout entre les fers et les grenades. Les autres. Et voilà, Xpix arrive à envoyer un stream de Neko. C'est dommage, ce n'est pas sorti, qui aurait tiré la voie de Neko. Mais Neko, pour l'enfer, Neko. C'est la dernière ligne droite de la part de Neko pour partir sur cette double finale.
Malheureusement, il est très très haut pour cent. X-Flix qui va tout faire pour lui en empêcher, hein, naturellement. Et puis, il va en losant. Il va en grande finale. Où est le grab Shiniko qui a envoyé Kutofte? Heureusement, il arrive à passer par le haut et à se sécuriser, quoi, grâce à Kutofte. Très très bien. Ce down B qui va tuer et en B, Neko, au lieu d'en finale, effectivement. Très, très bien. Un très bon match. Très très bien.